Le taux du paludisme dans le Lualaba pourra connaître une baisse sensible dans les prochains jours. Ceci grâce à 2 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action distribués à 72 000 ménages dans toute la province. Nos reporters se sont rendus dans certains ménages bénéficiaires de cette initiative du programme présidentiel du gouvernement américain pour la lutte contre la malaria à travers l'USAID qui vient d'en apporter. Puis au gouvernement congolais. Après les temps donnés par Fifi Masuke et Lucie Tamlin, place au porte-à-porte dans la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans tous les Lualaba, notamment à Dilolo, Kapanga, Sandoa, Muchacha et Luboudi. Les moustiquaires aident beaucoup pour nous empêcher de tomber malade. Donc ça tombe très bien derrière moi-même. C'était donc avant-hier, j'étais gravement malade. Ils sont venus en bon point et en bon endroit parce que s'il y avait eu des moustiques, on pourrait même. En tout cas, je suis ravie. Cet appui de l'USAID au gouvernement congolais à travers PMI est un soulagement pour ces dames dont la famille a été beaucoup exposée au paludisme. Je suis en train de me faire un peu de malaria. Je suis en train de me faire un peu de malaria. Après la remise, ici dans ce quartier de Kolwezi, cet agent de santé avec son équipe sensibilise les ménages sur l'usage de ces moustiquaires imprégnés. Après cette séance, la leçon semble être bien comprise pour cette dame, pour qui l'initiative met sa famille à l'abri du paludisme. Parmi les bénéficiaires, on peut compter cet habitant de Kolwezi qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du gouvernement congolais américain ainsi qu'à l'exécutif provincial de Lualaba pour ce renouvellement des mildes qui pourra réduire la tendance croissante du paludisme dans cette province. Ils promettent d'en faire bon usage. Nous sommes 6, on nous a donné 3 moustiquaire imprimé. Dans chaque chambre, un moustiquaire. Dans chaque chambre, un moustiquaire. Vraiment, on a acheté la bonne volonté. De notre part aussi, il faut qu'on puisse monter cela en gardant ça jalousement. Les équipes de distribution continuent cette routine pendant 8 jours. Elles sillonnent les 720 000 ménages dans tous les territoires de Lualaba. Distribution d'une pièce pour des individus, puis sensibilisation sur l'usage à bon escient de ces intrants. Nous sommes en train d'insister sur l'étalage sous l'ombre pendant 24 heures pour essayer d'atténuer la puissance d'insecticides se trouvant dans la moustiquaire. Et nous sommes en train aussi d'insister sur la façon d'étaler le long du lit de telle manière que le moustique ne puisse pas entrer dessus le lit. Notons que la distribution de ces 2 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action s'inscrit dans le cadre des efforts des USA à travers PMI d'appuyer le gouvernement congolais à travers le programme national de lutte contre le paludisme dont sa stratégie nationale visant l'élimination de la malaria par le moyen de prévention d'ici à 2050.